Salut à toutes et à tous les petits amis, on se retrouve, et oui on se retrouve où ça? On se retrouve sur Conan Exile à nouveau. J'avais déjà fait une petite série avec Bozo et Marlou, et cette fois-ci j'y retourne avec Staff 52 Elite TV. Je vous mets les liens vers leur chaîne dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller check, hein, allez voir un peu. Déjà vous verrez d'autres jeux que moi je fais pas nécessairement, et puis ça vous permettra, si vous voulez, de voir les différents points de vue sur notre aventure. Donc on va partir sur Conan, on va se créer un petit perso rapido, donc on va être un bonhomme, le bonhomme qui va avoir une sale tête. Comme d'habitude, le peuple, généralement on choisit les hommes du Nord, parce que c'est des hommes du Nord. Ouais voilà, hommes du Nord c'est bien. La religion, Ymir. Ymir c'est bien Ymir, ouais je vais prendre Ymir. Ymir, c'est, bah oui c'est normal, c'est le froid. La voix. Death is coming. Cut me down, please. Ouais lui il est bien. Oh la tête, arrête tes conneries, c'est quoi cette tête? Non, lui, là, c'est bien. Là, il a une sale tête, il est un peu creusé. La couleur, il a une couleur raisonnable. Comme ça, là, voilà, un peu pâle. Pas de cheveux, on s'en fout. Ça, c'est chauve, ça. Ouais, voilà, Lopez Joe, le retour. Les sourcils. Regarde-moi, s'il te plaît, gros. Allons-y, ne perdons pas de temps. L'aventure nous attend, ça, c'est bien. Les sourcils. Non, mais t'es con, toi, sourcils comme ça. Pilosité faciale, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme barboude? Non, ça fait pas viking, ça. Ça fait viking. Ouais, c'est bon. Quelle couleur? Oh non, putain, mais t'es con, quoi, toi. Ouais, ça, c'est bien. Phare à paupières, s'il vous plaît, non. On va pas faire la soirée drag queen. Les traits du visage. Tout va bien. De toute façon, son visage, on va le voir très peu. Les yeux, la taille, l'espacement, la couleur. Noir. Voilà, allez, hop. Signe distinctif, il est bien. Physique, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est plus ou moins balèze. Vas-y, moyen balèze. Comme ça, les gens, ils vont pas nous attaquer. La taille, hop, pas plus grand que nécessaire. Taille de la virilité. Non, non, on montre pas la quenelle. On est sur YouTube, t'es fou, toi. Après, ils vont nous fusiller les vidéos. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Décapitation de prêtre, mutilation de garde, corruption de garde. Cet homme est un calabré sévère. On confirme. Ok, et on va retrouver Lee et Staff, et on va partir faire les aventures, en avant les aventures. Yes. Ok, donc, nos crafts possibles, on retrouve l'interface habituelle. Les attributs, pour le moment, j'ai pas de points. On dispatchera ça au fur et à mesure. J'ai quelques heures sur le jeu, sauf que j'y avais joué sur Epic, hein, et là je l'ai repris sur Steam pour pas m'emmerder. Tous mes jeux Epic ont disparu, je sais pas où ils sont passés pour le moment. Ce n'est pas grave. En avant les aventures, je vais pas faire le périple, hein, les petites quêtes là, on s'en fout. Hein. C'est bon, on sait jouer. Hein. On va récupérer des trucs. Voilà, on a de l'eau, de la bouffe, merci. Chercher des provisions, on s'en fout. On va prendre des pavasses. En attendant qu'ils arrivent, on ramasse de quoi se faire un petit peu d'armement basique. Allez, je progresse. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, on est sur un serveur communautaire. On n'est pas sur un officiel, parce qu'on a essayé sur un officiel, les animaux étaient vraiment cassés, ils bougeaient pas, ils attaquaient pas, c'était de la folie. Donc on a trouvé un communautaire, PVP hein, bien entendu. Donc on va voir, on va essayer d'y faire notre vie. On gagne des niveaux, c'est bon ça. 4 points déjà. On est sur une XP multipliée par 3 et de la récolte multipliée par 3 aussi. Je vous le dis. C'est le réglage du serveur. On va mettre un petit peu de vitalité. Oh, calme-toi gros. L'autre il dort. On peut pas les piller. God's curse this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. Exact. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared.
I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants. Allez, on fait un peu d'escalade le temps qu'il nous parle. I've yet to meet a beast that liked fire or the bite of the axe. Et voilà. Yep. Qu'est-ce qu'on va se fabriquer? Une hache. Allez, c'est bon ça. Le savoir, qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer? Bon, mais j'en ai deux. C'est pas beaucoup. Ok, on a dépensé nos points. On est bien. Ça c'est pour faire ça, ça c'est pour donner des coups de poing. Ok. Je suis ici. On va monter à la rivière. T'es sûr toi? Sauve-toi. Allez, première bagarre. Allez, il est dead. Ok, de la peau et de la viande. Elle est où la viande? Bah. Ah, elle est là. On va faire ripper les soins. Alors, il semblerait qu'on ait un premier campement ici. On va aller voir à quoi ça ressemble. D'accord. Oh, il y a une bête. Il y a une bête, mais il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que je peux faire avec cette bête? Un familier. Est-ce que je pourrais le prendre? Oh! Non, je le remets. J'aurais déjà pu leur voler un truc. D'accord. Bon, potentiellement, déjà, on peut voler des trucs. C'est pas mal. Il arrive à lui là. Ok, bon, je suis arrivé au pont cassé. Hop, je vais les attendre. Allez, vas-y, je vais monter là. Je vais les attendre ici, ça ira très bien. Mais il t'a laissé tout seul depuis tout à l'heure. C'est moi, du coup, bah, j'ai fait mon intro et tout. Bah, moi, j'ai avancé là. Bah ouais, je me sais pas où il est. J'en ai aucune idée. Je pense qu'il est en train de, comme il connaît pas le jeu, d'expliquer aux gens ce que c'est. Écoute, ah oui, peut-être. Je suis avancé jusqu'au pont. Ouais, ouais, bah je vais arriver. Écoute, c'est calme hein, pour le moment. On peut voler des trucs. Hein. J'aurais pu voler un animal. Là, je suis tombé sur une cabane et il y avait un enclos. L'enclos, il était ouvert et j'ai pris l'animal. Ah bah ça, tu peux voler. Et ouais, je l'ai remis. Bon, je l'ai remis parce que c'est un animal à la con. Oh, c'est toujours bien d'avoir un animal à la con. Il Tu sais, c'était les espèces de tortues là. Ah ouais, non, ça compte. Non, non, tu sais, les animaux du début de game quoi. Ouais, ouais. Bah écoute, je vais me diriger vers le pont moi pour le coup. Eh ben, t'es en combien là? Je suis en H3. H3, ah oui, carrément. Ouais, ouais, j'arrive. Merde, je suis attaqué par des mecs. Non, 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 c'est bon, c'est des cimériens, ils m'énervent. Putain, les salauds. Ils m'ont défoncé. Je peux pas me démute et me mute correctement sur que... Aucune idée, c'est pas grave. Vite, je vais mourir. Moi, je vais faire mon épée et tout.
Ouais. Putain, j'ai déjà pris masse de dégâts là. Il n'y a pas débloqué. Ah si. Après, si t'es en H3 et qu'on va dans la jungle. Ouais, donc les petits amis, on a décidé qu'on allait s'installer un peu dans la partie est, dans la jungle, parce que ça changera. Ça serait pas mal, ouais. Et ça serait mieux que moi je revienne vers toi. Ouais. Donc va sur la côte, toi, ouais. Tout en haut au nord de H là. Attends. Et puis je te rejointe. Tranquille, hein. Ouais. Non, qui quoi? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est rien, il y a une danseuse qui m'attaque. Ah ouais, ça va. Si c'est une danseuse, ça va. Il y a des feux de camp partout, ouais. C'est pratique. Ah, je voulais récupérer un peu de. Bah tiens, ça tombe bien. Ah, j'ai de la viande, moi. Des flèches en fer, tiens, il sera content, le staff. Ah ouais, oui. Moi, je m'en sers pas de le. Bah en plus, là, vu que l'XP est par 3, tu les voles vite quand même. Hein. Ouais. Hop, très bien. Tu m'as dit d'aller où? Monte tout au nord de H, je vais te rejoindre moi, parce que c'est pas la peine que tu partes à gauche si après on va à droite. Tout au nord de H. Ouais, H3 quoi. Ouais, voilà, tu vois. Je vais sur la petite île qui est au milieu. Fais voir. Il y a une base, je vais aller dessus. Ah ouais, bah vas-y, on se retrouve là-bas. J'avance ouais. Calmement. On refera le clan. Ouais, ouais. Bon, le clan en fait, ça sert essentiellement à te voir sur la map quoi. Bah c'est ça, parce que finalement je me rappelais pas que c'était comme ça, qu'on se voyait pas. Ouais, tu te vois pas, faut être à 10 mètres quoi, même pas. Ouais, ouais. Putain, j'ai tu plus un le lapin. Stand. Bah mais pas comme ça. On va faire du feu, on va manger. Ah, je tue des lapins, moi. Je vais débloquer. C'est quoi les défis? Non, mais je veux pas faire des défis. Récupère la récompense, vas-y, donne-moi une récompense. Ça c'est quoi chaud. Ça? Il y a des défis, je savais pas que ça existait ça. Les défis? Tout en haut, quand t'es dans ta barre d'accueil, là, dans ta page d'accueil, en haut à droite. Ouais, ouais. Je viens de gagner un truc déjà, je sais même pas ce que c'est. Je vais, par contre, je vais débloquer les torches, parce que là, j'y vois rien. Comment ça se fait que t'y vois rien? Attends, je suis sur le bon serveur, hein. Ouais, je pense. Bah, il fait nuit, moi, là, ça commence, hein. Ah non, moi, il fait jour, hein. Ah merde. Ah merde. Ah non, hein. Je suis sur le bon, j'ai fait, oui, je dirais pas le nom, mais... Bah, on peut couper, hein. Ah attends. Si, moi, la lune, là, elle est en train de se lever carrément, la lune, là. Ah, mais je me fais mal, attends. Ou alors c'est moi qui suis pas sur le bon. On le voit là, non? Non, je crois vas-y, pas. Vas-y, coupe deux secondes. Vas-y. Si tu peux. On a le même, quand tu fais échappe, c'est marqué. Hein. Ah bon? Quand tu fais échappe, ça te marque le nom du serve. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pas sur le bon serveur? Échappe, on t'es sait dans... Pas. Où ça te le met? C'est sur pause, quoi. Tout en bas, c'est marqué marqué le nom. Bah moi, c'est marqué révision 520-307/ backend retail. En dessous de demande d'aide, quitter et tout. Ouais, ouais. D'accord, bah écoute. T'as juste marqué révision, t'as pas le nom. Non. T'as pas un nom juste au-dessus de révision? Ah, non. Bah c'est non, que parce t'es en qu'il... local, je pense. T'es en local. Non, Fred. Quoi? Non. Bah, t'as dit local, de courir. T'as fait une Seven. Ah ouais? D'accord. Bah, fait une Seven. C'est quoi? Je vais revenir. Attendez, vous allez voir. N'ayez pas peur. Parce qu'il me dit. Non, parce qu'il me dit, il commence à faire nuit. Je dis, mais pas du tout. Ah ouais, moi, il fait nuit. Oh bah non, il manquerait que ça. Ça serait étonnant. Des instances différentes, non? Je pense qu'il n'y a qu'une instance par serveur. Ouais. Écoute, je suis exactement au même endroit, il fait nuit. Ok. Bah alors après, peut-être qu'il fait jour à certains endroits et nuit à d'autres. Mais non. Ah non, c'est bon, alors attendez. Non, je viens d'être balancé dans une faille spatio-temporelle. Parce que là, il faisait nuit et d'un coup, il fait jour. D'accord. Alors là, c'est pas la même. Staff, t'es où toi? C'est pas rassurant dans ton histoire. Dis-nous. Moi, quelle case? Je suis sur la rivière en J. En J? Ouais. Oh fada, on peut spawn si loin. J4. Ah ouais? J4, et bah reste-y. Et bah viens vers nous, ou attends-nous. Bah je longe vers l'ouest, hein. Je longe vers l'ouest. Ouais. Moi je suis en G3. Et je reviens vers toi, attends-moi aussi. Ouais. Je relance mon sauf que je peux pas grimper. Côté, du coup. Ouais, allez-y. C'est bon, tout le monde est connecté. Hein. Normalement, ah bah non, c'est... mais on était connecté, sauf qu'il y a eu une faille. Ouais. Eh, mais c'est quand même miraculeux. J'étais exactement sur le bon, hein. Mais moi, il faisait nuit. Ouais, bizarre. Alors là, c'est la catastrophe. Dans l'eau, je me fais attaquer. On connaît pas encore sur le jeu. Donc je me dirige vers vous tranquillement. Alors moi, je suis en H. Faut aller vers moi, H3. J'ai débloqué 2-3 trucs. Allez, rendez-vous en H3. Sur le bord de l'eau, hein. Il y a une base. Oh, il y a un croco, il est méchant, hein. Je vais lancer le craft de l'arc. Hop. Ah, t'as trouvé des flèches, tu vas être content. Des flèches en fer, j'ai trouvé.
Ah bien. J'ai débloqué quelques trucs de construction, moi, pour éviter qu'on prenne tous les points. J'ai débloqué les fondations. J'ai débloqué les coffres et le feu de camp. Okay. Il faudra qu'on m'explique pour les trucs gratuits à débloquer. Il y en a certains, ça marque zéro, mais je peux pas. Quand c'est orange, en fait, tu peux les débloquer. Ah, je suis quand c'est rouge, tu peux pas, et quand c'est vert, c'est que tu les as. Ouais, ça va être dur. Bah, parce qu'il y en a, je crois que c'est des DLC donc que t'as pas. Oui, oui, il y a ça aussi. Il y a la flèche pour les DLC normalement. Ouais, je sais pas. Du coup, j'ai fait quoi moi? Il y a des œufs là, il y a des œufs. Fais gaffe, si tu prends les œufs, les bêtes vont être furieuses. Ouais. Il y a des bases, hein. J'ai volé un truc, Staff, tout à l'heure. Non, ils s'en foutent, on dirait. Ah ouais? Tant mieux. Salut. Ah, mais il m'emmerde lui. Il y a un croco en plus, ils ont un croco en ami. Ouais, bah fais gaffe parce que les crocs en ami sont pas gentils. Ah, mais non, en fait, ils m'attaquent pas moi, ils ont rien dit en fait, ils sont en train de se battre avec le croco. Pas trop bien. Ah, c'est possible, hein. Ils se battent entre eux aussi, les bestioles. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis poursuivi par des bêtes parce que je leur ai volé un œuf. Et moi, j'ai. Ah, bah, il se rebiffe. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Le croco m'a pris, pour cible et il s'est fait. Je suis sur l'île en H3, Lee, où t'étais. Ok. Sûr, hein. Ah oui, bah là. Moi je suis en attends, je te vois, t'as 3000 trucs au fait. Ah putain, oui. Oui, bah viens, c'est pas. Bah, c'était derrière toi, mais. Ah bah oui, d'accord. Ah merde, ils sont furieux parce que je leur ai piqué un œuf, tu parles d'un œuf. Ouais. T'es où? Moi je suis déjà au milieu, reculé. Moi. Viens, on monte sur le toit de la baraque. Ouais, bah attends, parce que moi je pouvais pas monter sur la mienne là, il y a des pics. Ah ouais? Une île en H3. Ah ouais. Ouais, il y a une île en H3, une petite île allongée. Mais t'as un troupeau au cul. Mais oui, mais parce qu'ils sont vénères. Je sais pas ce qui se passe. Ah ouais, on peut pas monter là. Par contre, là, ils marchent bien les bestioles. Hein. Je vois que ça prend bien. Ça fonctionne plutôt pas mal. Et si je monte dans l'arbre? Oui. Je sais pas si t'arriveras à grimper. Bah, tu rigoles? Ah, mais non, merde. Bon, si viens, on se retrouve au pied de l'île, au-delà du grand totem là, sur le continent là. Ouais, ouais, viens. Y'a un mec. Ah, mais y'a du monde. Non, mais eux, ils nous connaissent pas, eux. Mais ils vont pas te lâcher les autres là. Ah, mais attends, ils me saoulent. Plein de petits feux de camp. Ouais, ouais, bah c'est très habité. Non, non, c'est des gens composés. Ouais. Je suis un mec assis devant un feu. Ah, là, par contre, ça, c'est des IA, va pas les emmerder. D'accord. Attends. Ah, je te vois, Fred, c'est bon, mais. Ah, ouais, mais là, j'ai des problèmes sociaux là. Non, mais ils vont se barrer. Sur la petite île où vous êtes. Non, non, va pas sur la petite île, j'ai que des ennemis là-bas. Alors, je sais pas ce qu'il a glandé, mais il avait un troupeau au cul. J'ai volé un œuf. Tu parles d'un cinéma. Voilà. Ah, c'est bon, il se barre. C'est sûr. Il me regarde, moi, maintenant. Je suis au pied de la grande statue. Fait, hein. Moi, ok, bah, je viens vers vous sur les statues. Ouais. Bah, deux grandes statues. Ouais, va bah, à la statue, ouais. Statue rive désert. Ouais. Côté désert. J'ai des œufs. Ouais, bah ouais, moi aussi. Maintenant, ça m'a coûté cher, les autres. Gaffe, par contre, c'est marqué je suis repu, mais l'icône de l'estomac elle est à moitié, c'est bizarre. C'est pas ce que t'as assez mangé pour le moment, mais ça va s'améliorer. Qui c'est qui est en bas? C'est moi. Est-ce que tu sais faire les cascades comme ça, Ali? Tu sautes sur la falaise. Ah, je suis à fond. Et hop, tu te rattrapes, mais moi je me suis pas rattrapé. Mais oui, mais tu t'es pas rattrapé. Mais non. Oui, je sais faire sinon. Ça c'est bien ça. Quand t'as plus de stam. Ouais. Attends, faut qu'on fasse le clan. Des fois je me loupe. Je fais un clan. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe? On continue de marauder, on est les maraudeurs. Bah, toujours, ouais. Allez bien. Regarde quand même autour de toi qu'il n'y ait pas tes amis qui reviennent. Oh bah non. Ah t'étais suivi quand même. Oh putain ce boulot. Ah je vois des gens là, c'est vous là non? C'est nous. Bah si tu vois une blonde avec un chauve. Ouais en train de... Voilà. Nous en train de... Ouais, un mec de Deadside et une blonde de GTA. Voilà. C'est oui, ça. Oui je suis là. C'est la jonction GTA Deadside, regardez il arrive en courant. Je nage. Ouais et là un crocodile il arrive et hop au revoir. Oui plus rien. Crac. Moi, elle a mal au cou, moi, elle se touche le cou là. Bon, j'ai de la viande à faire cuire, moi. Tiens, viens là, Staff. À quoi ressembles-tu cette fois? Ah ouais? On a pris cher, rien. Bon, l'autre, il sort de la piscine. Peu, mais... Venez, on fait la photo de groupe. Ouais. Attends. Attendez, on va se mettre vers qu'on voit un peu le truc là. Qu'on voit les statues derrière. C'est ouais, c'est mieux. Ah bah, regarde là-bas. Les filles en plein milieu des. I like. Ah, ouais, mais il y a tes bestioles qui vont nous pousser. Non, mais le mec, il va rien nous dire. Venez. C'est un vendeur, c'est quoi? Ça vite, ouais, vite. Tu parles. Allez. Que c'est un... Viens vers moi, Staff. Viens vite, viens de l'autre côté. On va se faire bouffer. Ah, mais désolé, j'ai vu un truc. Ouais, voilà, magnifique. Ouais. Impeccable. Voilà, c'est bon, c'est fait. Allez. Viens, on va le voir, lui, on fait la bagarre ou quoi? Non, on n'a pas posé de paillasse ni rien. Non, non, non. C'est qui, lui? Qu'est-ce que tu veux, toi? Je sais pas, un coup Arcus, le voyageur. Ah non, les voyageurs, ils sont cool. On peut lui parler. Apprendre l'emote. Vas-y, apprends l'emote. Vas-y. Ah, par contre, j'ai pas trouvé la touche au cas où des emotes. Hein. Ah, ouais, je l'avais vu celle-là. Apprendre l'emote. Permet de débloquer une emote.
Ouais. Elles sont marrantes, les emotes, les danses et tout. Tu verrais, les danses, elles sont stylées. Et il ferme jamais sa bouche, lui. Hein. Ouais, bah après, j'ai fait la paillasse. Ouais, ah ouais, j'en ai fait moi, une aussi. Hein. Mais je la pose pas tout de suite, c'est pas dangereux là. Non. Attends, on a déjà des points. Je vais apprendre des trucs. Déjà, rien que dans les attributs, j'en ai pas mal. Je vais peut-être pas rester en plein milieu parce que c'est quand même du PVP, je vais grimper pour faire mes points. Ouais, oh, je prends le risque moi. Je vais me faire une dague. Hop. Comme d'hab. Alors. Savoir. Donc toi t'as déjà pris les... un peu de cailloux pour je sais faire des coffres en construction. Ah ouais. Je sais faire les escaliers. Très bien. Cuisine, je pense que t'as pris aussi. J'ai pris le feu de camp. Tranchoir de pierre, ouais. C'est quoi le tranchoir? C'est pour couper la viande, mais t'as le petit couteau, c'est pareil. Tranchoir, ça te fait un peu plus, je crois. Ah bon? Ouais, tard, c'est possible. Couteau, on verra plus tard. Ouais, c'est pas grave, oui, pour l'instant, moi j'ai fait le couteau aussi. Hein, pour le moment, on manquera pas de bouffe. Le brise-crâne en pierre. Le brise-crâne, ça brise. Corps à corps. Alors, ouais, les armes, faudrait. C'est surtout les armes qui. La forge aussi, que j'aimerais bien. Choper. J'ai une gourde en trop, moi. Le brise-crâne, on va le mettre là. C'est quoi ça? Les griffes en os. C'est quoi les griffes en os? C'est des griffes, comme pour les ours, mais en os. Pour taper. Ah, il faut faire de. J'ai fait des godasses. Oh ouais, j'en ai pas fait. Je les trouve nuls. Bah ouais, j'ai tout fait moi. T'as bien fait. Peut-être pas du coup. Si, ça protège. J'aime bien ce qu'il dit, je les trouve nuls. T'as bien fait. T'as bien fait, t'auras l'air con, mais moi je préfère pas, ça m'énerve, ça fait touriste. J'aime pas ressembler à un touriste. J'ai plus de points moi. Il y a beaucoup de. Ça va être les soins. Moi, il y a toujours eu des problèmes de déblocage de trucs. Il y a beaucoup d'animaux, je trouve, dans ce bled moi. Nécessite pas rien. Je sais pas s'ils ont pas multiplié un peu les animals, parce que sur officiel, il y en a jamais autant. Ah, possible. Ah, mais ça, je peux débloquer le lit. Vous avez récupéré votre barbac? Ouais. Alors, attends. Dans le coffre, au début? Non, en fait. Ouais, bon, bah, c'est pas grave, j'ai de la viande sauvage d'animal, on en tuera si besoin. Mais j'ai de la viande aussi, hein. Ouais. Je sais pas où je l'ai prise. Ah, si, que j'ai tué la dame voilà. Avec son croco... Allez, venez, okay. On part, on s'en va, il y en a marre. Ouais. On verra ça plus tard, je regarderai plus tard. Hop. Allez. Oh là là, bravo, joli boulot. Non, ça va. J'ai tout. En bas, on t'attend. Je vais te fouler une cheville. Ouais, c'est rien, va dans l'eau fraîche. Oh là, je vois, bien. Il est là-bas. Ah oui, je vois. Bon, alors la route, on va longer. Bah, tu sais quoi, on va longer. On va longer tout le long là-bas. Hein. C'est ça, on n'a pas le choix. Et après, bah, quand on arrivera à la jungle, on décidera. On verra où on se pose. On se pose, on commence à poser des lits et après on. Ouais, on voilà. T'as une petite baraque, moi je peux faire déjà des fondats et des murs. Ouais. Moi je continue à ramasser pour. Ah, il y a un mec devant là qui nous regarde avec une. Ouais, non mais lui il est pas cool, lui. On va pas le chicaner, je crois. Ouais. On va avancer jusqu'à notre destination. Laissons-le. Faudrait que je me fasse une pioche. Il y a quand même pas mal de base, mais ça c'est normal au départ. Ah bah là vers là, oui, puis là c'est le meilleur endroit. Tous. Là il y a de l'eau, il y a de l'herbe, il y a des arbres, il y a des animaux, il y a tout. Ouais. Mais bon, c'est pas les aventuriers qui habitent là. Après la jungle elle sera tout aussi bien. Attends, je vais traverser. Ah ouais, je sais pas s'il y a tes bestioles de l'autre côté. La jungle elle sera tout aussi bien au niveau arbre et tout, hein. C'est juste que c'est un peu plus compliqué. Oh, il y a des espèces de coraux au fond là, je sais pas si ça se récupère. Non, je crois pas, c'est juste joli par contre. Mais... Ouais, ça fait une animation. Je suis en train de me refroidir. Pareil. Bon, lui il a rien à voler au passage. On sait jamais, ouais. Lui, il a fait des fondats, lui. Ouais, alors ça, je le faisais. Ouais. C'est des fondations, ça de... Ouais, ça, c'est des fondats, ça. Ça, je le faisais, d'accord. Et c'est très bien, en fait. Parce qu'en fait, je pense qu'il va... Il va se faire un enclos, là, en bas, et il va faire un truc dans l'arbre. Ouais, après, il y a plus de... Il y a dans ça. Non, il y a juste trois murs, c'est tout. Non, il est en train de juste poser les fondats, le mec. Ah ouais, il veut peut-être construire dans le baobab, ouais. Ouais, je pense. Il devrait être soigné, Eli, parce que si tu prends un mauvais coup sur la tête, tu vas pas aimer. Bah, moi l'escalade, on fera plus tard. Si, l'escalade c'est bien, mais surveille bien ta stam quand tu fais de l'escalade. Ouais, mais je suis redescendu en fait aussi. D'ailleurs, la stam, moi j'en mets en général dans les attributs pour pouvoir piller. Oh là là, barrez-vous, c'est des méchants eux. C'est quoi? Déjà, il y a un croco, il y a des mecs pas cool. Oh, il se bat avec. Je t'ai pas donné tes flèches. Elle est en train de taper le croco. Elle est morte. Elle va se faire tuer. Oh, elle s'est fait défoncer. Bah oui, attention, elle va s'en prendre à toi. Et lui, il va y aller. Attends, il y en a un autre, hein. Eh, y'a un mec qui tire dessus, hein!
Oh, le gars, il va tuer avec son arc. Le croco, hein. Ouais, je m'en prends au croco. Aïe, yo. Vas-y, vas-y. Moi, j'essaie de tuer le mec. Ils ont rien sur eux, hein. Ils ont du bois, c'est tout. Regarde. Non, non, le croco, il va vous défoncer. Attends, t'as un mec qui te tape, qui te tire des flèches, là. Aïe. Je suis en train de tuer, voilà. Pas grave. Oh, lui, il est mort. Et le croco, il reste pas grand. J'ai pas de flèches, comment je fais les flèches? Il est mort. Voilà, bien. Oh, stylé tes dagues. Ah oui, oui, oui. Dague de Calabres. Tiens, par contre, Staff. Allez, on les pluche. Voilà, on a de la barbac. Tiens. J'ai de la viande. C'est quoi? Ah merde, j'ai de la viande putride. Allez, merci, les flèches. Les flèches en fer, hein. T'essayes de pas les perdre, c'est pas mal. Ah, lui, il avait des habits. Ah ouais? Ah non, mais c'est rien, c'est un haut de merde. Comment je peux savoir quelle flèche il y a sur mon arc? Ah, l'icône change, elle est tellement petite, l'icône. Ok, je suis là. Elle avait du bois, bon. Ah, attendez, faut que je l'épluche, moi, je mange de l'humain. Oh, on a plein de viande, t'emmerdes pas. C'est ma religion qui veut ça. Ouais, d'accord. Ah ouais. Très bien. Je sais pas quelle religion t'as pris, mais. Moi j'ai pris les blonds. J'aime bien le nom. La religion des blonds. Moi j'ai dû prendre celui des hommes du Nord, là, le truc du froid. Par contre, faites gaffe, il y a un croco. Ah oui, merde. Il a l'air gros. Il a l'air plus gros que. T'es sûr, c'est un croco, il a l'air plus gros. Oui, mais il y a les enfants et les parents dans les crocos. Ouais, il n'y a pas que des et gros, après, t'as les crocos niveau 1, 2 et 3. Puis là-haut, il y a un camp, on ne l'attaquera pas aujourd'hui, je crois. Non. Non, les camps et tout ça, quand on sera stuffé, je veux bien. Ouais. Avec des suivants. Un minimum, quoi. Avec du fer, en fait. Avec des outils en fer, ça serait pas mal. Ouais, puis il faut avoir un esclave. Un esclave bagarreur. Où, Staff? Sous l'eau? Ouais, je regarde un peu ce qu'il y a dessous. D'accord. Sous l'eau, c'est bien, ça, en PVP. Tu peux tellement te planquer. De barrer en fait. Je vérifie la map. Oh bah on n'est pas encore arrivé. Faut qu'on reste un peu sur la droite. Loin. Je vais me faire un bouclier. Un bouclier c'est chiant, j'aime pas jouer au bouclier moi. Il faut de la ficelle. Ça aide pas un peu le bouclier pour le corps à corps? Bah le problème c'est que si tu joues à l'arc, le bouclier il va pas être très utile à part faire du poids. Non mais comme j'ai une masse, je vais pas jouer qu'à l'arc. Ah ouais. Alors après il y a aussi le poids, genre les armures, il y a des armures elles pèsent tellement. Ah ouais. Ah, elles mon poids, il est déjà. Elles sont costauds, je suis déjà mais. Quasiment à fond. Oh, encore, sérieux. Allez, fous-nous la paix, cogno. Non, je voulais pas te foutre un coup de pied, non. C'est pas un coup de pied que. C'est bon, c'est moi en vrai. Hein. Faut rester sur son dos. C'est comme dans Dead Sight. Ouais, Tant que t'es sur lui. Si jamais. Tu te mets comme ça sur le dos des ennemis dans Dead Sight. C'est bon. Ouais, ça marche. D'accord. Découpez-moi cette bête, il nous emmerde. Épluchez-le, épluchez-le. Voilà, ça fera de la bonne barbac. Ah, moi je bois un coup, j'ai pas fait de gourde par contre, ça serait tiens, bien. Tiens, j'en ai une en trop si tu veux. Ah bah trop tard. Ouais, bah là où on va, on manquera pas d'autre façon. Bien, moi ça m'évitera de la faire. Tiens, d'accord. Tu me donneras ce que tu veux en échange, d'accord. J'ai des dents, tu veux des dents? Bah, pour le moment, j'ai encore les miennes. Je vais garder les miennes et après, on fera un atelier dentiste. On se mettra des dents de croco pour effrayer les jantes. Mais c'est où les émotes? Est-ce que je peux remplir la gourde en. Oui, tu la prends dans ta main et tu fais action. Okay. Mais elle est pleine, hein, si la barre blanche en dessous, je te l'ai donnée pleine. Ce qui est assez bizarre dans Conan, c'est qu'ils font pas d'animation. Ça, j'avais oublié aussi. Ouais. Donc quand tu remplis un truc. J'en ai deux, j'en avais fait une. Même quand tu bois, tu te mets dedans, ça boit instant. Quand tu manges, ça mange instant. Là, il y a des œufs. Hop, on les pique et maintenant on se barre. Non, j'attends 52. Fais gaffe parce que j'ai piqué des œufs. Ah. Ok, donc celle-là, elle est remplie. La bestiole n'a pas l'inventaire si elle est remplie. Elle est pas là. Ok. Si, tu le vois en bas. Je teste un truc. T'as une barre en dessous en fait. Quand il y a pas de barre, c'est qu'elle est vide. Ah, dans l'inventaire, par contre, non. Oh, t'es sûr? Donc là, dans l'inventaire. Non. D'accord. Si, durabilité. C'est très bizarre, mais c'est marqué durabilité. Et si elle est vide dans l'inventaire que je fais utiliser, ça la remplit. Tu penseras pareil, t'as vu tes outils et tes armes, elles ont une durabilité. Quand faut que tu cliques dessus et que tu fasses réparer de temps en temps. Ok. Attribut, j'en ai. Ouais, donc on peut remplir la gourde depuis l'inventaire, on n'est pas obligé de l'avoir dans la ceinture. Parce que moi ça me fait chier d'avoir la gourde dans la ceinture. Ah ouais. Yes. J'ai mon arc, mon bouclier, mon arc, ma hache, ma pioche, mes soins, mon couteau à dépecer. Oh là là. Ma barre blindée. Staff, il y a un truc qui est pas mal aussi. J'aime pas quand ça bouge, moi. Il faut que ça soit toujours au même endroit. Je vois ça. Un truc qui est pas mal aussi à débloquer dans tes attributs, c'est la vitalité au moins au niveau 1. Je l'ai débloqué celle-là, ça y est, j'ai la régénération passive. Voilà, tu régènes passivement en fait, t'as pas besoin de te soigner.
J'ai 4 points. Faut que t'en mettes 5. Vitalité niveau 5. 1. De toute façon, c'est marqué à côté ce que ça te donne. Je vais le faire, je vais le faire en premier parce que de base, je me suis orienté sur l'endurance et, l'arc. Bah alors, après, l'endurance, c'est important pour monter. Ouais. Monter, porter, courir. C'était pour bagarre aussi. Quand le bonhomme s'épuise, ça me fait chier. Bah ça t'épuise. Non, puis c'est bien aussi pour la bagarre. Le jeu qui court tout le temps. Bah oui. Non, mais même pour. Après, attention, lui là, il est vénère. Barrez-vous, c'est des énervés. Mais on va pas le tuer, c'est lui qui va nous tuer, on a même pas posé nos. C'est un niveau 1, lui c'est un niveau 1. Moi je pose ma paillasse, moi. Ils sont nuls. Je pose ma paillasse. Et je viens faire la bagarre avec vous. Yes, bien joué. Ça mort les deux. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, non, c'était des niveaux 1, Fred. T'as paniqué. Ah ouais, moi je me méfie parce que des fois Pourquoi ils font je peux mal. Je vais prendre mon couteau. Qu'est-ce qu'il a lui? Il a des trucs bizarres sur lui. Tiens, il y a des flèches sur lui, Staff. Coupe-le pas. Ah, il a des bombes. Ouais, prends. Bah, les bombes, tu peux les prendre, mais prends les ses flèches surtout. Les orbes, les bombes et tout ça, faut les prendre. Pour ramasser, ok. Et je vais prends retirer juste la pierre parce que là, à mon avis, ouais, je la pierre, t'en as pas besoin. Ouais, les graines, on va pas faire quoi que ce soit. Non, jette les graines pour le moment. Pas tout de suite. Pour l'instant, non. T'en veux pas. Oh, lui, il est moche, je le tue. Ah non, c'est de la teinture. Je croyais que c'était des bombes ou des boules de Noël. Ouais, jette là la teinture, balance. Ça va t'encombrer pour rien. Ouais. Saloperie. C'est surtout les flèches qu'il fallait que tu prennes, toi. Bon bah écoutez, ouais, ça les a pris. J'ai quand même posé un sac de couchage ici, moi, par sécurité. Et je vais en refaire un autre parce que ça coûte rien du tout. Je me repaîtrai de sa chair. Oui, voilà. Moi je mettrai un sac à l'entrée de. De la zone. De la zone. Ouais. Ouais, mais si tu meurs avant, je me repaîtrai de sa chair. D'ailleurs, j'ai quoi? Ah, je suis affamé, moi. Eh ben, on fait à manger. Des psychopathes. Non, mais pourquoi je me soigne? C'est oui, pour ça je vais que manger des gens. Oh, mange pas des gens, on a plein de viande. En plus, elle pourrit la viande. Mange des gens, c'est ma religion qui veut ça. Tu m'as foutu une intoxication alimentaire. Attends, c'est ma religion, je ramasse. Rien. Et si je mange un œuf comme ça, moi? Ouais, ça va, mais je suis repu. Ça se mange. Ah, je suis bien, moi. Qui mange un œuf? Ouais, je vais manger un bœuf. Mange un bœuf, oui. Reptile. Moi, je vais manger. Ah, ouais, ça va être bien. Je sais pas si je peux la manger crue. Si, tu peux les œufs. Ça a toujours été la vie, mes insectes. Non, mais la viande. Et s'il veut, lui, là? Alors tu peux, mais ça te fait une intoxication alimentaire. Oh, il me menace, y'a des mecs qui me menacent. Un point de dégâts toutes les 10 secondes, hein. C'est pas terrible ça. Attends, t'es menacé, mais moi je suis caché. Non, on peut mettre une biographie sur le personnage. Là, ils en ont après moi, là. Dans les buissons, je me bague des calabrais, là. Dans les buissons, je me bague. Ses ennemis. Où on était, là? Ouais, un peu plus loin. Oh, il est en train d'en préparer une, il est mort. Je l'ai tué. Ah, c'est bon. Oh putain, mais ils sont chiants. Ouais, bah, t'es chaud à niveau vie, hein. Tu veux des soins ou pas, Fred? Non, c'est bon, j'en ai plein. Et vous voyez? Il est. Tiens, il y a des flèches sur lui là. Sur le. Ouais, je vois sa barre de vie de loin, mais je vois pas la tienne par contre. Bah, moi je te vois, t'es à côté de moi. Juste derrière toi. Ah. Faut faire gaffe, hein, des fois t'as des saignements. Si tu mets pas les pansements, ça se soigne pas. Toi aussi t'as l'intoxication alimentaire. Oui, ah parce que c'est pour ça que je t'ai dit que ça. Prends des. Qu'est-ce qu'il fait? Prends des flèches sur lui là, il y a des flèches. C'est quoi ça? Bah, tu tires des flèches. J'appuie. Ah ouais, merci. Allez, go, approchons-nous de notre objectif. Alors, on est où là? Juste du bois. On est pas loin, il va falloir qu'on remonte sur la gauche. Dans un moment. C'est quelle case que tu veux aller? Bah, on va aller dans la jungle. Abîme de Yogg, c'est mes ancêtres, c'est mon culte. Ouais, bah, c'est des cannibalostes. On reviendra les voir plus tard. Ça donne pas quelque chose si je vais prier là-bas? Bah, non, je sais parce pas, qu'en plus, ils font la quête et après il va falloir que tu donnes de l'argent. Après la jungle, ce qui serait peut-être pas mal, c'est de se mettre en bordure de biome. Pas du tout aller. Tu vois, dans la case K là, peut-être, non? K ou L. K ou L. Tu vois, en bordure de biome. Entre les deux. Ouais, mais alors en haut. Parce qu'en haut, il y a plein de trucs à faire vers ouais, la ouais, c'est possible. C'est possible. En haut de la jungle. Il va y avoir une tempête, non? Ah putain, donc, merde. Ou elle en 7 ou en 8, non? Ouais. Ouais, attends. Faut qu'on trouve un abri, sinon on va mourir là. Le temps est bizarre là, les gars. Où êtes-vous? Je vous ai perdu dans la tempête. Je suis en train de grimper. On est sur ta droite, viens. Pourquoi vous grimpez là-haut? Je sais pas, j'essaie de trouver un coin. Ah, pas sûr, avec l'endurance que j'ai, je monte. Hein. Ah, je suis monté, je vais pouvoir me mettre à l'abri là. Je pense. Oh là là. Tu penses que je peux monter, moi? Bah, surveille ta stam. Ouais, je suis à l'abri. Je sais pas ta stam. Fais des pauses. Tu repères des endroits. C'est un mur droit. T'es où à l'abri? Ah, mais là. Ça remonte pas. Moi, ah, oui. J'en ai vu un passer, mais. Ah, ça passe. Et ah, là, t'es là, à l'abri là. Ouais. Non, on n'est pas à l'abri de rien du tout là.
Moi je suis marqué à l'abri. Alors... Ah bon? Ah oui, si, moi aussi, là dans le coin. Ah oui, à l'abri, on est là. Venez. C'est Ellie qui a l'abri. Voilà. Oui. Regarde la tempête en face. C'est beau en vrai. Oh là 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 là. Non, oh, c'est ah, stylé bien, comme hein. Ça. Oh là 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 là, ça me fout la trouille. Alors affinons la base où on veut aller. Alors toi tu disais qu'on irait en, comment ça s'appelle ce truc, en L7 par là-bas, L6, L7, K7. Bah moi je me verrais bien en K. Ouais. Ouais, au-dessus. K7, ouais. K7, K8. K7, K8. K8, si je dis pas de conneries, c'est carrément dangereux, c'est des putains de marécages avec des araignées, des scorpions et tout. Alors K7. On peut regarder, on prospecte, on regarde. De toute façon, on s'en fout. K7, l'avantage c'est que ça nous met pas loin du lac qui est en H8. Et là-bas, il y a des bons artisans. Oui. Il y a plein de bons artisans, il y a des fondeurs, il y a toutes sortes de trucs. Ouais, ça, c'est pas mal là-bas, par là-bas, je pense. J'y avais habité sur la petite île. Je sais pas, j'ai habité partout. L'avantage, c'est que c'était pas loin de la neige aussi. En train de se barrer, la tempête. Ouais, je pense qu'on peut y aller, là. Ouais, c'est bon. Bon, bah, go. Go, cassette audio. Bien sûr. Voilà, pourquoi je comprends pas, pourquoi je ne peux pas débloquer le tisserand? Je l'ai déjà, le tisserand. Ouais, des trucs que je n'ai jamais compris pourquoi... Là, il va falloir sauter, les gars. Il y a des trucs, moi, Staff, je te dis, il y a des schémas, ça te marque, tu peux, mais tu peux pas. Putain, il faut tisserand et outils en pierre, j'ai outils en pierre. Bah, faut que tu débloques tisserand, mais des fois... Ah non, je l'ai déjà, ça. Venez, on n'est pas arrivé. Attends, toi, t'es où? Je suis à la ramasse, je suis en bas. Bah ouais, bah alors, on t'attend. Il y a un gros sac qui me menace. Là, j'ai grimpé bizarre, moi. Bah, il pleut un peu. Il y a des biches. Ouais, il y a des lapins. Ouais, il pluviote. Il y a des cannibales. Ouais, tuez les biches. Il pleuvine, on dit. Ah, merde. Ah, j'ai plus de flèches. Bon. On se retrouve sur le bord de la côte. Ouais. Au pied de l'espèce de gros truc de bord de map là. Oh là là. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il y a là? Il va faire nuit hein, par contre cette fois. Ouais, moi j'ai perdu ça. Oh merde! J'ai tué des bestioles. Je suis sur un nid de croco moi. Je pensais que ça allait me faire XP, mais je suis pas sûr en fait. Ouais. C'est le paradis du crocodile là. Il fait noir. La gueule, une torche. Tiens, regarde. Non. Ouais, on voit pas que ma torche. Et si je te vois. Les gars, j'ai une grosse bestiole derrière toi. Elle te court dessus. Cours. Pas peur. Hein. Ouais, bah moi j'ai des crocos sur ma ganache. Bon courage. J'aime pas ça. Je sais pas trop si c'est par là qu'il faut qu'on aille. Ou Si, je vous vois, je suis à votre gauche. Non. Ah, je continue à courir. Hein. Ouais, cours. Vas-y, cours, il y a des bestioles partout. Qu'est-ce que tu as fait à la bestiole? Pourquoi elle s'est mise à nous forcer? Mais rien, tu les touches pas, ils s'énervent tous là. Oh oui, ils sautent là. Attends. Ah là 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 là. Ouais, vous avez piqué des œufs à tous les coups, non? Ah non, bah c'est Staff alors, je pense. Staff, t'as fait le coup. Non, j'ai rien fait. J'ai tué des chèvres. Ah ouais, bah c'est bizarre. Hein. C'est quand même bizarre qu'elle nous attaque. Ouais, elle est vénère. Oh! Ouais, attends. Putain, heureusement que vous êtes pas pris le coup qu'elle a lancé, le coup puissant là, parce que. Ah, y a des hyènes. Sous l'eau, mais... Traversez, elle vous suivra peut-être pas. Alors du coup, on est où là? Et ben là, on va monter. Ouais, maintenant, faut aller full nord. Oh, du calme là. On est voyant là, s'il y a des mecs qui veulent nous buter. Ouais, mais là, on est trois. S'ils veulent nous buter, ouais. on les calme. Ah, mais bon, ils vont bien voir qu'on est à poil quand même. Ouais, c'est ça. Là, il faut qu'on parte à notre droite. Un petit peu, faut qu'on parte direction le ciel bleu là-bas. Ok. Y a quelqu'un sur le bord de l'eau là. Avec un arc et qui se barre là-bas. Ah, il se bat avec des crocos. Il se bat avec un croco, ouais. Oh, attention, il y a plein de crocos et des varans. Ah, les varans de Komodo, fais gaffe, Staff. Ah, mais ici. Attends, ici, il y a un varan boss. Qu'est-ce qu'il veut lui là? Ah, je crois qu'il y a un boss varan dans cet étang là. Oui, je me rappelle de ce tu vas te faire tuer, Staff. C'est très bizarre le. L'arc il se relâche des fois sans que je veuille. Ouais. J'ai essayé de tuer le mec, mais j'ai pu jeter une flèche la deuxième fois. Oh, lui il est mort. T'as peut-être plus de. Ah, l'endurance. Yes, l'endurance. Bien vu. J'avais pas vu que de tendre la flèche ça bouffait de l'endurance. Les varans là-bas. Bon, le joueur est mort, hein. Ouais, faut le fouiller, mais. Bah, va le fouiller si tu l'as tué. Mais faut qu'on arrive. Attends, il y a un varan. C'est qui? C'est toi, Fred, hein? Ouais, je suis habillé, la classe. Mais barrez-vous, il y a trop de varans. Ouais, mais faut qu'il fouille le mec. Je l'ai fouillé déjà.
Je vais pris son armure. Des pêches, moi. Bah oui, c'est Staff. Il tire sur tout le monde. Il me tire dessus. Ah là là. Oh, c'est lui en plus, putain. Il y a trop de varans, sauvez-vous vite. Non, mais laisse tomber, regarde les varans qu'il y a, laisse tomber. Non, cassez-vous, ils vont nous tuer. Ça, et je te dis, c'est merde. Si je me souviens bien, il y a un boss varan sur cet étang là. En plus. Bah attendez, moi je traverse l'eau, faites ce que un vous varan, voulez. Un varan 3 ou un varan, je sais plus combien là. Ah ouais, le jour. Par contre, la nuit. Sous l'eau. La nuit est pas longue. Non, ça va. Heureusement. Il se sauve, je l'ai presque tué, il se sauve. Ouais. Le problème du varan, c'est qu'ils sont nombreux. Non, mais regarde-le, il y a je sais pas combien de varans. Oh la vache, je l'ai tué, j'ai pris un niveau. Bien, et nous aussi on a gagné un niveau. D'ailleurs, tu nous as fait gagner un niveau. Continue, Staff, continue. N'hésite pas. Hein. Vas-y, on prend des niveaux. Oh là 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 là. Ah, ils sont coriaces, hein. Il va se surtuer. T'as mis ton lit quelque part, hein. Non. Ah, c'est dommage, tu vas te retrouver dans le désert alors. Je vais le faire. Ouais. Je peux pas le mettre là. Ouais. Non. J'aime bien comme ils le suivent. Ouais. Ils le suivent en tordant du cul. J'ai de la potion de respiration. Je sais pas si les dégâts sont zonés. En attendant, Staff, moi je mange des insectes. Après, on a de la bonne viande, mais elle va dauber au fur et à mesure. Je rejoins, c'est trop long. Ouais, viens. Bah oui, te bats là. Mais vous prenez forcément des XP ou faut être à côté de moi? Non. Non, là on était pas à côté de toi, on les a pris, hein. Par contre, il faut qu'on aille dans l'autre sens. Ouais, là-bas, nous. Ok. Par où, attends. On monte. Là où je vais, non? Ouais. Derrière là, il faut qu'on parte vers le grand pylône et puis après dans le nord. Oh, mais ils sont encore là, les varans. Tu viens, toi, avec tes varans? Viens, arrête de traîner, on n'avance pas, là. C'est vers le nord. Regarde la carte. Je suis derrière. Tu nous vois sur la carte. Faut qu'on parte là-bas, Lynn, ou vers la colline et après on monte à gauche. Ouais. T'as un regard, tu la vois ça? Ah, je le vois. Bah, viens. Ah, oh là 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 là, mais il est marteau, quoi. Yeah. On t'attend là, tu t'amuses avec tes. J'avais pas capté l'endurance avec l'arc, je pensais que ça buguait. Ah, ouais, non, l'arc il en bouffe de l'endurance. Hein. Ouais, non. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est pour ça que pour les combats, on t'a dit c'est bien l'endurance. Oh, y'a des canasses. Ouais, c'est. Un petit poulain. On le chope. Chope-le. Ah, il s'est téléporté. Tu l'as pris ou tu l'as... Je l'ai. J'ai un poulinho. Ouais, mais là je suis lourd là. Attends, je le prends. Ouais, mais on a rien pour les élever. On les mettra dans un coffre. Ouais, il est dans ma poche. Ouais. C'est rare les chevaux dans la map. Vous attrapez les chevaux, vous les mettez dans votre poche. Oui. Et après on aura des chevaux. Et après on va les mettre dans un atelier, mais bon, c'est pas le moment. Non, t'es pas un peu cul nu toi? Moi aussi je veux un cheval. Si, mais attends, c'est trop lourd en vrai. Ah, faut jeter des merdes. Je vais jeter des merdes, attends. Le journal en cuir, je le jette. Les pavasses, j'aurais tendance à les jeter. Mais attends, mais j'avais 50 000 trucs. Pensez à réparer vos habits tant que vous avez plein vos outils, tant que vous avez plein de trucs. Bon, j'ai refait une paillasse pour la poser au cas où. Ah ouais, vaut mieux. Ah, réparer graines, comment on fait. Non. Et tu cliques sur ton outil dans ta barre et tu verras à gauche, il y a un truc qui est marqué réparer. En dessous de l'inventaire. Ça te bouffe un peu de ressources, mais ça t'évite d'avoir des armes cramées, quoi. Ouais, t'es encore lourde alors que j'ai presque plus rien. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des enclos. Des enclos ouverts. Et y a de toute façon, on n'y est pas prêt de pouvoir les. Je me fais chier à Oh, viens, j'ai trouvé une monture pour toi, Staff. Ouais? Ouais, la classe. Viens vers moi. Oh, il est. Je sais pas. Un peu plus bas. Attendez, j'arrive. Là. Viens. Moi je peux pas avancer. Venez. Ça marche plus le. Oh sérieux, ils ont fait ça, on peut plus rouler. Quoi? Si, bien sûr. Ah, tiens, oui, regarde. Je veux. Ça, tu faut que tu montes là-dessus, toi. Vas-y. Ah oui, je veux une grosse poule. C'est des oiseaux terreur. Une grosse poule. Ça tue les gens à une vitesse de fou. Mais non, mais ils m'attaquent. Ouais. Bah oui, c'est ce qu'il y a de plus terrorisant dans ce jeu. Mais je peux pas monter dessus. Essaye. Mais non, ça marche pas. Bon alors sauve-toi vite. Elles sont redoutables ces bestioles. Franchement, j'ai tout vidé mon inventaire, je peux pas mais porter un poulain. La tête. Elles ont de la vie en plus hein. Regarde. Et amenez-les pas vers moi, je suis en train de me battre avec mon jeu là. Il est mort. Je comprends pas pourquoi je peux pas. Tiens, Staff, prends mon poulain, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux plus rien porter?
Bah, faut que tu mettes de la force, mets de l'endurance pour avoir du poids plus. Non mais ça épluche rien, alors il faut se mettre dessus, non? Ah, oui. Ouais. Et jette tes... Hey, t'as des pierres et du bois, jette-les. Hein. J'ai tout jeté, j'ai plus rien. J'ai que le poulet. T'as juste le calas. Y'a pas d'os. Ouais. Y'a pas d'os là-dessus. Et t'es rouge en poids? Ouais. Attends. Et on peut rouler, regarde. Ouais. Y'a rien qui veut. Quand vous faites ça, moi je me refais des flèches. Ah, parce que t'es trop lourd. Ouais, là t'es trop lourde là. Ouais, je sais bien. Et ben. Et tu peux pas monter ton poids, attends. Maxi? Bah non, comment tu fais? Le poids, alors attends, je crois que c'est. Le cran. Non. C'est expertise. Le cran, je l'ai, mais pas. Je suis pas encore niveau 1. Hein, mais... Expertise, tu prends du bonus de déplacement. Ah, en merde, bas, tout en bas. Bah, tant pis. J'ai pas les points. Staff, viens prendre son canas, s'il te plaît. Ouais, je sais pas s'il pourra le prendre, lui. Bah, si vous pouvez pas le prendre, jetez-le, on s'en fout, on reviendra en chercher. Hein. On reviendra le prendre. Hein. Jeter. Attends. Ah bah attends, je suis déjà fou, je suis lourd. Oh bah ouais, non mais laisse-le, on en reprendra. Par contre, j'ai jeté tout mon bordel. Attention, regarde, il y a la copine de l'autre. Elle est Saint-Étienne, elle est verte. Elle est pauvre, donne-moi les pots. 20 kilos. Tiens. Voilà. Les pots, ouais. Je suis à 80%, hein. Je suis pas sûr que je puisse récupérer ton cheval. Non, tu pourras pas. Je donnerai. Il pèse combien le cheval hein? Bah regarde si t'es en bas ou à gauche. Je suis à 150% en fait. Ouais, non, mais jette. On reviendra, on sait où il y en a. Je vais virer la viande. Ouais. Non, garde le cheval, il est beau. Non, tu peux pas, moi je me suis mis à poil et j'arrivais pas à le porter. Ouais. T'as mis les mêmes. Il faut qu'on avance un peu. On va traverser en face là-bas, dommage. D'accord? Parce que là, il y a l'autre con là avec sa pleure verte là qui laisse-le, nous regarde de travers. On reviendra, on sait que c'est ici. Là, par contre, je sais que dans la faille, il y a un tigre. Ah ouais, intéressant. Bon, là, on attaque la jungle. Une sorte de faille. Ouais, on va arriver à la jungle, là, c'est où j'habitais au départ, moi. Bah là, on arrive début de jungle, quoi. Faut qu'on arrive à l'endroit où on se pose. On va se poser où? Ah ouais, mais ça peut nous prendre un moment encore, hein, parce que... Là, en haut de la falaise. Bah pour choisir l'endroit si où si jamais... Parce que là, on n'est pas encore en cassette. Hein. En plus, il y a un camp juste en bas. Ah ouais, il y a déjà des... Oh là 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 là. Ah bah écoutez, hein. Moi, je pose ma paillasse, hein. Ok, bon bah les petits amis, on vient d'arriver plus ou moins sains et saufs au pays des léopards. On va essayer maintenant de trouver l'emplacement pour poser notre baraque. Hein. C'est pas gagné parce que l'univers est rude, mais on va se débrouiller. On va se poser une petite maison. Déjà, on est arrivé plus ou moins sur zone. C'est pas mal. Donc, écoutez, portez-vous bien, soyez prudents, faites pas les dingos et à tout de suite pour de nouvelles aventures sur Conan.